What's up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing en fait de la Mercury Box. C'est bien proposé par Inatech. C'est une mini enceinte portable auquel je vais vraiment vous donner mon propre avis puisque j'ai pu bien la tester et tout. Et puis surtout en fait j'ai une mini enceinte portable mais une Bose que j'ai pu faire une petite comparaison entre les deux. Alors déjà vraiment ce qui m'a plu dans cette Mercury Box, c'est à dire qu'on a cette possibilité là d'avoir directement dans la boîte déjà une protection hein, parce que dans d'autres enceintes et tout qu'on peut se procurer les mini enceintes, c'est t'as pas la protection inclus, donc faut l'acheter. Et là c'est inclus dedans, donc ça c'est cool. Il y a aussi donc une double prise jack, donc qui est pas souvent tout le temps inclus en fait dans les mini enceintes portables, auxquelles vous pouvez connecter en fait là, cette mini enceinte et bien à votre PC ou alors carrément depuis votre télévision. Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt depuis la télévision, mais voilà, vous avez une double prise jack. Bien sûr elle marche en Bluetooth, vous avez des petits boutons et tout au-dessus et bien de l'enceinte, donc pour stopper l'appareil, enfin stopper la musique plutôt, éteindre l'appareil, que ce soit aussi par exemple pour le mettre en mute directement, baisser le son, etc., etc., activer la Bluetooth et voilà. Et donc au niveau du prix, j'ai vraiment été choqué parce que quand je l'ai vu, donc 54,99$ en fait sur Amazon. Alors je sais pas si tout le monde peut bénéficier de ce prix là parce que j'ai pu voir aussi qu'à la base il est de 120$. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu de chez Amazon et tout, venez me le dire dans la barre des commentaires. Donc c'est vrai que s'il est pour 54,99$, ça vaut vraiment le coup puisque j'ai pu faire cette petite comparaison entre ces deux enceintes là. Et puis surtout en fait je fais ça parce que quelque part eux sur leur site ils ont vraiment comparé à la mini enceinte portable de Bose et je me suis dit ouh là là, ils ont vraiment comparé leur enceinte beaucoup moins cher parce que là en fait l'enceinte Bose elle vaut 200€ plus la protection et tout, enfin bref tout le blablabla, t'en as pour 250€. Et je me suis dit ouais, ça c'est bizarre, je vais tester ça. Je leur ai demandé, donc ils me l'ont envoyé tout, j'ai testé. Et en termes de volume et tout, c'est vrai que cette mini enceinte de Inatech en fait est vraiment plus puissante. Bon, en termes de qualité de son, en termes de basse et tout, la Bose bien évidemment est bien au-dessus, mais il y a une différence de prix aussi et voilà, qui est super grande plutôt, parce que en fait la Bose elle est à 200€ et que si vous pouvez vous procurer la Mercury Box à 54$ mec, pour cette qualité de son, moi en tout cas je serais pas déçu. D'ailleurs elle est toute petite, vous pouvez mettre dans la poche et tout. Hein, franchement je suis pas dégoûté de cet appareil là, mais on peut pas dire qu'elle est meilleure que la Bose. Attention, et c'est vrai que bon, quand j'ai vu ça sur leur site, je me suis dit ouh, c'est un peu bizarre tout ça, meilleur que la Bose. Mec, c'est Bose quand même. Et puis bon, enfin bref, voilà, il y a une différence de prix, je le rappelle, et que franchement, ouais, c'est plutôt un très bon appareil, surtout très petit. L'autonomie, elle est plutôt plutôt bien, c'est-à-dire en quelque part qu'elle tient environ, bon, ils disent 9h, mais ça, c'est pas vrai. C'est à peu près dans tous les appareils, c'est pas comme ça. Ça tient environ 7 heures, vraiment 7 heures. Donc c'est plutôt très, je pense que c'est très agréable, voilà, c'est agréable, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Mais voilà, je pense que ça peut être une très bonne affaire. En plus c'est les vacances et tout, et si vous voulez vous mettre un petit peu de son quand vous partez en vacances ou que vous restez chez vous avec une petite enceinte pas très chère, en termes de qualité, de prix, c'est très raisonnable. Voilà, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi, puis je vous dis à la prochaine, ciao, peace out.